Je viens d'un tout petit village des Pyrénées, frontalier avec l'Espagne, où pendant la guerre, en 1942, 586 juifs ont été amenés. C'est le préfet de l'Ariège qui les a assignés. Mes parents habitaient près d'une famille juive et donc ils ont demandé à mon père s'ils pouvaient les aider à fuir par la montagne. Ils se sont mis en marche dans la nuit. Ils ont mis 12 heures. C'est ma mère qui a porté ce bébé, qui l'a posé sur l'herbe rase, là, juste à la frontière. Donc ils ont tous été sauvés. De longues années plus tard, maman a raconté cette histoire. Et ce bébé a été retrouvé au Canada. Il est venu donc en France, 60 ans plus tard. Voilà. Elle a retrouvé le bébé qu'elle avait sauvé. Voilà. Nous avons décidé de donner des noms à des rues avec des personnes qui avaient fait quelque chose pour la commune. C'est comme cela que j'ai appris qu'il y avait une famille de juste de ma commune. המסר של מדינת ישראל חייב להיות ברור וחד משמעי. שום אינטרס או שיקולים של ריאל פוליטיק לא יצדיקו ברית קלון עם קבוצות וגורמים גזעניים שלא מכירים בעברם ובאחריותם לפשעי השואה. העבר שלנו חייב להיות הבסיס לערכים שלנו, למעשים שלנו. זו ההיסטוריה והמורשת שלנו, זו גם הבשורה הגדולה של העם היהודי לעולם כולו. חביבין ישראל, חביב אדם שנברא בצלם. משואה ראשונה תעלה בלה אייזנמן לבית פדרמן, לודג' פולין. הגרמנים לקחו את אבא שלי למשטרה הגרמנית שהייתה ממש מולנו. ואנחנו שמענו את הצעקות שלו שהוא מקבל מכות. בגטו לודג' הייתה צפיפות נורא גדולה. היהודים בהמונים מתו. ביום הראשון נתנו לנו לצאת החוצה לאיזו שעה. ואני חיפשתי את אמא. עבר איזה איש בבגדי פסים, אז שאלתי אותו, לקחו לי את אמא שלי. אולי אתה יודע איפה יכולה להיות? הוא תפס אותי בכתפיים, סובב אותי ואמר, את רואה את העשן? פשוט, שם היא. תעלה המשואה. המשמר יבוא לדום. משמר דום. אל מלא רחמים שוכן במרומים דיין אלמנות ואבי יתומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים לנשמות ששת המיליונים רבבות אלפי ישראל. Je ne sais pas si l'avenir est sombre, mais en tout cas, comme toujours, il est incertain. Incertain. Nous sommes dans l'histoire, et par conséquent, l'histoire est capable du meilleur, mais elle est aussi capable du pire. Des justes parmi les nations de France, ces gens de toute profession, de tout âge, de toute condition, de toute religion, bien tous ces gens-là étaient venus au secours de simplement de leurs frères, pourchassés et poursuivis. Ils ont considéré qu'ils n'avaient fait que leur devoir. L'histoire ne les oubliera pas, ils resteront à jamais gravés comme des héros de l'humanité.
Le fait que des élus français, que des représentants des villes et des villages, des justes parmi les nations de France, soient présents tous les ans à Yad Vashem, c'est la manifestation de la constance de notre pays auprès d'Yad Vashem pour honorer la mémoire des victimes. C'est aussi le moyen de se souvenir de combien notre pays a trébuché, a été au bord de l'abîme, et combien il a été difficile de s'en remettre, même si les justes parmi les nations ont sauvé l'étincelle de la fraternité qui n'était pas totalement disparue. J'ai un grand-père qui a été déporté à Dachau. Pendant les deux années où il a fait de la résistance avant d'être dénoncé, il a accueilli de très très nombreux juifs en Corrèze, qu'il a envoyés aux États-Unis, qu'il a été appelé par le général de Gaulle comme ministre des armées après la guerre. Je suis très fier de ce grand-père et qui a donc son nom gravé ici sur les murs des justes. Voilà. J'ai vu les murs ici vraiment à proximité et qu'on passe d'une zone à l'autre. Voilà, comme ça, c'est très surprenant parce qu'on sait que c'est petit, mais à ce point, on visualise vraiment que les choses sont... En fait, tout est enclavé, les zones palestiniennes, les zones israéliennes. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant de découvrir ça. Et après, ce qui m'a peut-être le plus ému, en dehors de la cérémonie à Yad Vashem, et de voir le nom des gens de ma commune sur le mur, c'est cette berceuse que nous a chantée la fille de survivants de la liste de Schindler cet après-midi. C'est un moment assez touchant et bouleversant. C'est magnifique, des rues splendides et puis un endroit magique quoi. Même là, en fait, il y a vachement d'émotion en fait. C'est sur ces terres là, sur ces passages, dans la vieille ville. Je suis heureux en tout cas. J'ai découvert un pays dynamique, un pays qui avait une manière de vivre ensemble et d'accepter la diversité tout à fait innovante par rapport à ce qu'on connaît en France. Alors qu'Israël s'est construit sur une histoire dramatique, c'est un pays vivant. Ce qui me réjouit, c'est vraiment la volonté de construire, d'être actif dans le monde. Vous savez ce qui m'a le plus émue ? J'aime bien observer les hommes, les femmes, les enfants, encore plus que les vieilles pierres, que pourtant j'adore. Mais parce que c'est la vie. Et ce qui m'a le plus émue, c'est de voir tant d'enfants, toute cette jeunesse. Tout le monde parle de ses familles, de ses enfants, de ses petits-enfants, des arrière-petits-enfants. C'est ça que je retiendrai. Parce que ça, c'est vraiment un message de survie. Donc, ce voyage en Terre Sainte, je dirais en Terre Sainte au pluriel, est un voyage exceptionnel. J'ai la chance de le faire. J'en suis très très fière pour la ville de Nancy, mais aussi je crois que je n'en reviendrai pas comme je suis venue. Dans le 13e arrondissement, on pense que c'est important, la mémoire et la transmission de la mémoire. Quand on a vécu des massacres, des horreurs, pouvoir passer à autre chose, pouvoir avoir cette résilience qui permet de reconstruire, de repartir, c'est, je crois, que quelque chose de très important. Et puis, on a, c'est aussi pour ça qu'on revient, on a un devoir de transmettre. Nous avons, entre autres, comme originalité de chanter au moins un des offices chaque jour dans le monastère, non pas seulement en latin ou en français, mais aussi en hébreu. Vous voyez, des moines catholiques, avec leur accent français, chantent en hébreu les psaumes
dans un village musulman. Là, je crois que vous avez déjà compris pas mal. Vous entendez? C'est génial. C'est formidable, cet appel à la prière. Moi, je trouve ça extraordinaire parce que il y a toutes ces prières qui se confondent.